bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le vendredi 20 octobre et il est déjà 17h40. Je vous prends tard parce que je me suis dit que comme on prépare un week-end, j'allais vlogger le week-end en fait. Nous sommes le 20 octobre. Qui dit 20 octobre dit vacances scolaires. Et demain matin, j'emmène les enfants, nous partons en train. Nous prenons le train très tôt à 7h17 pour partir à Angers. Voilà, donc on retente le Flixbus en ayant pris de la marge avec le train. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Et donc, on part en Flixbus à 7h17 d'ici et le Flixbus part à 9h40. Voilà, donc à l'instant où je vous parle, on prépare les valises. Les enfants rangent leur chambre. Du coup, moi, je suis en plein dans mes lessives. Voilà. Il y a du taf parce que clairement, alors on a déjà tout ça à descendre parce qu'on a installé le nouveau lave-vaisselle. Et il y a tout ça à ranger, voilà, avant de partir. Elsa a la même chose dans sa chambre. Adam est très en colère parce qu'il n'a pas du tout envie de ranger. Mais ça, c'est pas mon problème parce que c'est pas moi qui a fait le bazar. Donc, c'est pas grave. Ça va se faire quand même. La boîte de câbles est toujours sur la table alors que j'ai demandé 5 fois qu'elle soit rangée. Je l'avais rangée et je l'ai ressortie. Eh oui. Donc, elle va être rangée. Et moi, je vais continuer de m'atteler au linge, à la valise, etc. Au rangement, en fait, pour que la maison soit propre quand on partira demain matin. Même si moi, je rentre demain soir. J'aimerais rentrer dans une maison propre et ne pas avoir un ménage de titan à faire à mon retour. Pouvoir me poser et profiter de ma soirée. Voilà. Hey, je vous reprends. On est lundi. Et il est bien 14h, non? Il est que 13h40, mais on y est presque. Je viens de passer une heure au téléphone avec ma copine Sandra et en fait, j'avoue que je m'ennuie. Aujourd'hui, j'ai froid, j'ai mal à la tête, je me sens pas... J'ai dormi 12 heures cette nuit, s'il vous plaît. Bref, j'avais prévu de vlogger tout le week-end pour partager avec vous le départ des enfants, etc. Au final, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps. En fait, ça a été très rapide, cet aller-retour. On est parti samedi matin à 6h50 de la maison. Vendredi soir, mon neveu a dormi à la maison parce que mon frère travaillait. Donc, il est venu le récupérer à 7h le lendemain matin. Et comme il passait chercher le petit, je lui avais demandé si ça l'embêtait d'emmener Elsa avec la valise jusqu'à la gare en voiture. Comme ça, ça nous évitait de nous taper tout le chemin à pied, les 20 minutes de marche avec la valise. Donc du coup, il a emmené Elsa et donc nous, on est partis à moins 10. Eux, ils ont dû partir vers 7h05, je pense, parce qu'on est arrivé quasiment à la même... À 3 minutes près, on est arrivé en même temps. Mon frère est passé, il nous a vu, il nous a klaxonné. Donc on était vraiment quasi dans les mêmes temps. Et puis après, on est allé jusqu'à Paris. Finalement, alors j'avais l'impression d'avoir pris un train beaucoup trop tôt par rapport au bus, parce que le bus partait à 9h44. Et en fait, pas tant que ça finalement, parce que on est arrivé à 8h, effectivement, à Gare du Nord. Donc on est parti à Bercy, donc on devait être à Bercy à 8h30, je pense. Et c'est vrai que techniquement, le bus ne partait qu'une heure après, un peu plus d'une heure après. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché à Bercy pour essayer de se trouver des viennoiseries. Et franchement, Bercy, c'est pourri comme quartier, il y a rien. Franchement, ça m'a saoulé. Et donc, en fait, on a fini par se trouver des viennoiseries, mais je ne sais où, là, à l'autre bout. Et puis finalement, on s'est dit qu'il faisait quand même un peu froid, donc on n'a pas mangé les viennoiseries dans le parc, on est allé dans la gare routière où il faisait beaucoup plus chaud, même si j'avoue que c'est un peu crade et ça sent pas très bon. On était quand même mieux au chaud, donc on est rentré. Et à notre grande surprise, le bus était déjà là. Donc en fait, on est monté dans le bus à 9h, il me semble 9h15, je crois. Donc franchement, trop bien. Donc on a pour ainsi dire, pas attendu. En fait, on a été acheter notre viennoiserie. On est retourné à la gare routière. Quand on est arrivé à la gare routière, on a vu qu'il était affiché. Donc on est allé sur la bonne voie. Et au moment où on est arrivé à l'emplacement du bus, il a dit tout de suite aux gens, j'arrive tout de suite. Et là, je me suis dit, il va déjà ouvrir. Il était 9h05, je crois. Et en fait, ouais, dans les 10 minutes qu'on suivit, il a ouvert le bus. Donc en fait, nous, on a fini nos viennoiseries
à l'extérieur du bus, parce que connaissant les enfants, je me doutais qu'ils allaient en foutre partout. Et une fois qu'on a eu fini, on est monté dans le bus tranquille, au chaud. Et on a attendu gentiment le départ. Les enfants se sont très très bien tenus tout le long du voyage. Je ne les ai pas entendus. Marceau, qui commençait à en avoir un peu marre, il restait 1h30 et il commençait à me dire « c'est long hein !» Alors que bon, quand on voyage longtemps comme ça, j'autorise les écrans pour que justement le trajet passe plus vite. Je me suis dit « ouais, même les écrans, ça m'occupe pas !» Donc bon, j'étais un peu inquiète et finalement ça a été, il a tenu jusqu'au bout. Quand on est arrivé à Angers, Eric était déjà là, donc on est allé directement chez l'opticien pour qu'Elsa puisse choisir ses lunettes, parce que du coup elle va porter des lunettes, elle a une légère myopie. On avait rendez-vous pour son fond d'œil vendredi, je sais plus si j'en avais parlé ici. Et puis, contrairement à ce qui était prévu, Eric et les enfants ne sont pas restés avec moi jusqu'à ce que mon train parte. Donc j'ai attendu toute seule dans la gare et puis après je suis montée dans mon TGV, je suis rentrée à Paris. J'ai eu tout pile le temps, j'ai un peu couru quand même pour aller récupérer mon train de Gare du Nord pour rentrer chez moi. Et en fait ouais, à 19h j'étais rentrée chez moi quoi. Et puis moi je suis allée vite fait chez Inter, m'acheter un truc à grignoter et puis je suis rentrée chez moi. Dimanche j'avais l'anniversaire de ma meilleure amie. Alors à la base... on était censé faire un resto, sauf que premier inconvénient, les trains ne correspondaient pas. Moi en fait je pouvais arriver soit à 10h30 soit à 14h15, donc pour moi un resto c'était compliqué, ou alors il fallait que j'attende 1h30 toute seule. Du coup j'avais dit à ma meilleure amie, bah écoute je vous rejoindrai en fait parce que pour moi ça va être compliqué. Donc du coup je les ai rejoints, puisque du coup on est entre filles, et on est allé prendre un verre finalement, donc bon ça a pas duré longtemps parce qu'elles étaient déjà là depuis midi. Moi je suis arrivée à 14h30 on va dire, et le temps que je vienne de la gare jusqu'à elle, 14h30, et puis on est resté ensemble jusqu'à 16h30, et ensuite je suis rentrée du coup vachement tôt chez moi, je suis arrivée, il était à peine 5h30, et voilà, petite soirée tranquille, à rien faire. Je vous cache pas que ça fait du bien de ne rien faire. Mais là, je commence déjà à m'ennuyer. Et on n'est que lundi. Jeudi, je travaille, donc ça va. Un travail payé, ça change. Mais le reste du temps, je bosse pas. Donc là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me poser. Vraiment. Demain, j'ai pas de billet de train pour demain, donc en fait comme j'avais pris des billets hebdomadaires, j'ai fait en fonction que mon billet couvre le jour où j'allais travailler jusqu'au 31, puisque à partir du 1er j'aurai un nouveau billet. Et donc là j'ai repris un billet à partir de mercredi qui sera valable jusqu'au 31. Donc demain j'aurai pas de billet de train, donc j'irai pas à Paris. Je vais rester à la maison, je vais mettre un peu d'ordre dans la maison et tout, parce que je l'ai pas fait aujourd'hui. Mais du coup, mercredi, j'ai prévu d'aller sur Paris pour aller au cinéma. Donc voilà pour mon programme de la semaine. Là, je vais aller prendre un bain parce que j'ai froid et puis j'ai envie de me détendre vu que je suis là toute seule et que je fais rien. J'ai décidé aujourd'hui que je ferai rien. J'ai du ménage à faire, j'ai du linge à laver et à étendre, mais non, ça sera pour demain. Aujourd'hui, j'ai décidé, c'est une journée où je ne fais rien. Voilà. J'aurais bien été m'acheter une petite tablette de chocolat parce que j'avais très envie de grignoter du chocolat. Mais il fait moche dehors et j'ai froid. Donc du coup, j'ai la flemme de sortir. La flemme est plus forte que la gourmandise. Donc, non, je reste chez moi. J'irai peut-être plus tard dans la soirée, je sais pas. J'aime bien aller faire mes courses le soir parce qu'il y a moins de monde au supermarché. C'est mieux. Donc là, je vais aller prendre un bain, je vais aller me réchauffer. Et puis, je verrai ensuite ce que je ferai. Bon, je vous reprends avec une tête de mort, je m'en rends compte. Hein. Aujourd'hui, c'est zéro, zéro, zéro motivation. En fait, je sais pas pourquoi je me suis levée un peu de mauvaise humeur, en fait, ce matin. Donc, je sais pas. Je me sens pas au top de ma forme, on va pas se mentir. Même si, pourtant, il n'y a rien de spécial qui m'a mis de mauvaise humeur, mais je sais pas, la solitude, le mauvais temps, l'ennui, je sais pas.
Mais je sais pas, ce matin, je me suis réveillée avec cette sensation de solitude, de... Je vais pas vous mentir, presque de... un ressenti, presque de désespoir, quoi. C'est comme si j'étais foutue. J'allais pas y arriver, que personne ne voudrait de moi, que... Enfin, je sais pas. Je me sens pas... Ouais, c'est pas le top de... Du moral aujourd'hui, enfin du moral, mais j'ai pas mauvais moral en fait, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'être de bonne humeur et je pense que c'est ça qui m'affecte. Bref, nul, complètement nul. Aujourd'hui je vais faire un petit peu de ménage, j'ai pas énormément à faire. En fait j'ai toujours pas nettoyé ma tache de gras là, parce qu'en fait elle s'est un petit peu atténuée. Et donc du coup je m'y suis pas spécialement penchée, je vais le faire je pense aujourd'hui. Et puis, j'ai du linge à faire aussi, un petit peu dans ma chambre, de rangement léger. Et après, bah, faut que j'aille voir dans la chambre des enfants. Il y a probablement des choses à faire dans la chambre des enfants. Mais autrement, le reste de l'appartement est déjà nettoyé, vu que je suis toute seule. Je ne fais pas de bazar à moi toute seule. Donc voilà, bref. Donc aujourd'hui, on est... Je ne vous l'ai même pas dit... Aujourd'hui, on est mercredi, j'étais censée aller à Paris aujourd'hui et finalement, on a organisé une petite soirée de dernière minute, soirée apéro avec mes copines. Et donc du coup, je reste à la maison pour préparer des petits trucs à manger. Donc cet après-midi, je vais faire un peu de cuisine. Là, je sais pas vraiment quelle heure il est 13h quelque chose et j'ai toujours pas mangé. J'avais pas faim jusque-là, mais là, je commence à avoir un peu faim. Donc je vais manger un petit truc et puis ensuite ouais je vais passer en cuisine. Je pense que je vais faire un cake salé et puis peut-être un sucré aussi. Je ne sais pas trop. Puis là mon compte bancaire il est à sec de chez à sec parce que ce mois-ci j'ai fait quand même pas mal de frais entre les trajets pour emmener les enfants en vacances. Les tests, les bilans d'Adam que j'ai quand même payé pas mal cher. Alors, on a partagé avec Eric, mais même moite-moite, ça fait quand même une grosse moitié. Et donc, pour l'instant, le transport des enfants, c'est moi qui l'ai payé. Lui, il va avoir le sien là quand il va revenir samedi, donc on va rétablir les choses. D'ailleurs, il faut que je fasse le calcul total, moi, parce que je ne l'ai pas fait. Mais je pense qu'on dépense la même chose, en fait. À y aller à 5 en bus ou que lui vienne à 5 en voiture ou même tout seul en voiture, c'est le même prix. Donc je pense que voilà, on est quitte. Il va payer son retour, moi j'ai payé l'aller et puis basta. Je me suis dit aussi que j'allais essayer de trouver une autre organisation pour les tâches ménagères parce que j'ai remarqué que les enfants en fait se disputent. J'ai décidé aussi que à partir de maintenant, l'ordre des douches sera préétabli et indiscutable. Alors, j'ai envisagé que ça puisse être chaque jour différent, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas passer en premier, donc je me dis comme ça, ce sera jamais le même qui passera en premier. Ou justement que ce soit toujours le même ordre pour que ça rentre dans l'organisation et que ça devienne un automatisme. Mais bon, je suis pas persuadée que ça fonctionne très bien. Donc, je pense que je vais afficher... Là, quand j'irai faire mes courses, mes grandes courses, je vais racheter des pochettes pour ma plastifieuse et je vais en fait imprimer un menu que je vais coller sur mon frigo. C'est comme ça, je pourrais écrire dessus au Velleda. Et en fait, toutes mes petites fiches d'organisation, c'est pareil. Je vais les coller par-ci, par-ça, là où j'en ai besoin. Notamment, le planning de la salle de bain sera affiché dans la salle de bain. Le planning des tâches ménagères sera affiché dans la cuisine. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de préparer le retour des enfants et l'organisation de cette maison. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même. Et j'en ai marre de m'énerver, j'en ai marre... d'être toujours fâchés parce que ils savent pas s'organiser entre eux et donc du coup bah ils se mettent dans des états pas possibles, ce qui me met moi dans un état pas possible et donc bon c'est pas vivable. Il faut que ça change, il faut que le climat familial s'améliore. Donc ça a été le cas avant qu'ils partent en vacances, on en avait déjà parlé et on avait fait en sorte que ça se passe un petit peu mieux. Déjà depuis que on a les résultats des tests d'Adam, on a eu certaines révélations par rapport à son comportement. Donc c'est vrai que on s'est un petit peu concerté avec Elsa et avec Com parce que Marceau est un petit peu trop petit pour comprendre. Mais voilà, je leur ai demandé d'essayer de prendre un peu plus sur eux. Je sais que c'est pas normal parce qu'ils ont pas à subir. Mais en fait, c'est bien indiqué que Adam n'est pas conscient en fait
de l'intensité de ses réactions. Et que donc, c'est pour ça qu'il dit toujours « j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, c'est pas juste, ça se fait pas », voilà, ces petites remarques habituelles. Donc, avec les plus grands, en tout cas, on essaye d'essayer d'arrondir un peu les angles et puis de surtout de ne pas générer davantage de conflits. Donc, je leur suis énormément reconnaissante parce que ça apaise, hein. Je vous cache pas que ça apaise vraiment le climat de vie. Donc, c'est déjà pas facile juste avec Adam. Alors, je vous garantis que quand les trois s'y mettent, même les quatre, hein, parce que même Marceau, ça lui arrive des fois d'entrer dans un conflit virulent où même lui, il se met à frapper. Enfin, bref, c'est parce qu'il en a marre, en fait. Parce qu'Adam, il se venge trop souvent sur lui. Donc, du coup, Marceau, il en a marre aussi. Et donc, il se venge lui aussi. Donc bref, c'était la petite aparté de ce que je ne vous montre pas. Demain, je commence mon travail. Je suis très contente, j'ai été formée hier soir de 20h à 21h30, il me semble. Enfin, on a un peu galéré au début à se connecter sur la plateforme pour qu'elle puisse prendre la main sur mon PC. Enfin non, il fallait que je prenne la main sur son PC pour qu'elle, elle puisse me montrer depuis son PC ce qu'elle faisait en fait. Donc ça s'est très bien passé, on a eu du mal à se connecter au début, puis après une fois que ça a été mis en place, c'était impeccable. Donc c'était cool, et puis donc elle m'a expliqué tout ce que j'allais avoir à faire et tout, donc je vais reprendre mes notes aujourd'hui pour les remettre au propre et vérifier que j'ai bien compris tout ce qu'elle m'a expliqué, que je me souviens à peu près de où il faut aller, de tout ça. Voilà, hein, pour aujourd'hui ça va être tout, le programme est déjà bien chargé. Je vais aller manger un petit truc et puis après je vais essayer de m'activer parce que j'ai même pas ouvert les volets dans la salle, pour vous dire à quel point je suis motivée aujourd'hui. En fait c'est ça, je crois que c'est pas une question de morale, c'est plus une question de motivation. Donc j'enchaîne les épisodes de Gossip Girl, vous voyez, à la télé, que je regarde sur Netflix, que je connais déjà parce que Anaïs l'avait regardé et donc je l'avais regardé avec elle. Ouh, la lumière fait. J'ouvre les volets du coup parce que c'est nécessaire quand même. Un peu de lumière, ça fait du bien. Alors du coup, je vous ai pas dit, mais hier, je suis allée chez ma copine Aurore. C'était prévu depuis fin de semaine. On s'était mis d'accord. On s'était dit, bah voilà, pour une fois, c'est moi qui y va. Et puis en fait, j'ai complètement oublié d'en reparler parce que mon frère m'avait dit OK pour la voiture. Mais j'ai complètement oublié de lui en reparler lundi soir. Et donc du coup, le souci, c'est que en fait, mon frère a ses clés de maison et ses clés de voiture sur le même trousseau. Et il n'a qu'une seule clé de sa voiture, donc il ne peut pas m'en laisser une. Et en fait, quand il rentre chez lui, il laisse les clés sur la serrure, en fait. Et donc, moi, si j'ai besoin de prendre la voiture, il faut que je lui dise d'abord pour qu'il enlève ses clés de la serrure et que moi, je puisse rentrer avec ma clé, en fait. Je laisse mes clés, je récupère les siennes, je referme avec ses clés, je pars. Et en fait, j'avais oublié de lui dire, donc il n'avait pas enlevé les clés de la serrure. Et donc, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, oh, si t'as un micro-réveil, j'ai oublié de te rappeler que je devais prendre ma voiture aujourd'hui, machin. Et en fait, il a eu un micro-réveil à 15h. Coup de bol, il m'a dit, je suis retournée me coucher, j'étais trop naze. Je lui ai dit, non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Et en fait, du coup, j'ai été récupérer les clés à 15h et j'y suis allée. C'était très sympa, on a bien discuté et tout. Ça m'a fait du bien de sortir un petit peu déjà parce que c'est vrai que là, cette semaine, aujourd'hui, je devais aller à Paris, mais du coup, j'y vais pas parce que... Enfin, je voulais aller au ciné, en fait. Et du coup, j'y vais pas parce que je vais préparer ma petite soirée. Et puis, mais je pense que j'irai vendredi parce que je voulais aller voir The Killers of the Flower Moon. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est le dernier film de Martin Scorsese. Et en fait, il a l'air super bien. Il dure 3h20 par contre, mais il a l'air super bien. C'est vrai que moi, je suis plus film français, mais il y a quand même des films américains qui me tentent. Et celui-là, notamment, me tente. Donc, je vais aller le voir, je pense, vendredi. Du coup, je passerai peut-être faire un coucou à Pascal et à Déborah, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, j'ai pas trop de nouvelles. Et donc, je me disais que ça pourrait être sympa si ils ont le temps de me payer un café. Donc voilà, je m'avance pas pour l'instant parce que je me dis si comme aujourd'hui ça s'annule, je veux pas annuler les plans au dernier moment, j'aime pas ça. Donc voilà, c'est parti, je vais me trouver un truc à manger et puis je pense que je clôturerai ce vlog ce soir parce qu'il est déjà très long en fait.
Bien. Eh bien, me revoilà. Il est 23h30 exactement. Nous sommes du coup mercredi. J'ai réfléchi quand même un petit peu. Nous sommes mercredi et je suis du coup en train de débarrasser la table puisque mes copines viennent de partir. Donc, je range un petit peu et puis après, je vais aller me coucher pour me préparer pour demain, mon premier jour de travail. Donc, bah, écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'en ouvrirai un autre. Alors, probablement pas demain matin, à moins que je sois en avance, ce qui m'étonnerait, on va pas se mentir. Je vais essayer de me lever à 6h, mais pas d'emballement non plus. En fait, je vais prendre le train de 8h20, ce qui va me faire arriver au travail à 9h30. Et du coup, il faut que je pense à me prendre à manger pour demain, puisque en fait... ça m'embête. Je me suis acheté un nouveau sac pour aller bosser parce que je trouvais ça plus pratique. C'est vrai que j'avais pris l'habitude de ne plus emmener de gamelles en fait pour manger le midi. Et donc je m'étais acheté un petit sac pour mon ordinateur qui est juste hyper mignon, hyper léger et hyper... je le trouve trop bien en fait. Je mets mon ordi dedans. Il y a une petite poche devant. Alors, je sais pas s'il y a une main, je vais réussir, mais... Voilà, devant il y a une petite poche où je mets en fait bah, ma trousse, mon chargeur et tout ça. Et puis après il y a la poche où je range l'ordinateur et en plus c'est tout doux pour protéger l'ordinateur. Donc c'est super bien, sauf que je peux pas mettre une gamelle dedans. J'ai pas la place, la pochette elle fait pile la taille de mon ordi. Donc moi je la trouve super top pour l'ordinateur. Mais si je dois emmener une gamelle, ça veut dire reprendre un sac à côté. Donc bah voilà, c'était ma petite clôture. Donc je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis probablement à demain pour un nouveau vlog. Si je l'ouvre pas demain, je l'ouvrirai samedi au retour des enfants. Bien que j'aurai peut-être des choses à partager vendredi, on verra. Ça va être un peu au feeling là pour le coup. Donc bah, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin et puis je vous dis, je me répète, hein, fait de fois que je dis ça, mais je vous dis du coup à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao !